Dans toutes les prises de parole que j'ai eu à prendre depuis 2006, depuis l'assassinat d'Ilan Halimi, j'ai essayé toujours de trouver des raisons d'espérer et de calmer la communauté juive. Parce que l'État a toujours été avec nous, parce que j'ai dit qu'aussi longtemps que la justice et que la police était avec nous pour combattre les fléaux de l'islamisme radical, on avait le devoir de continuer à espérer. Aujourd'hui, il y a une faille dans une décision de justice. Alors ça interpelle, ça interroge, et il faut que l'État et que la justice trouvent un moyen d'effacer cette tâche qui va rester comme une tâche indélébile si elle n'est pas enlevée dans l'histoire de la justice française et de la relation de confiance des Juifs envers notre pays.